Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounaise. Bien sûr, si t'es nouveau, nous décret. Paul Biya nomme un champion d'arts martiaux décoré le journaliste, enseignant et auteur de la thèse intitulée « Les silences présidentiels, analyse des dispositifs et du traitement médiatique de la communication politique de Paul Biya, président du Cameroun, est à nouveau à la tête d'une école par décret présidentiel. » À compter de ce 04 juillet 2023, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, ESTIC, a un nouveau directeur. Il s'agit de François-Marc Motzom. Le maître de conférences, précédemment directeur central radio à la Cameroun Radio Télévision, CRTV, remplace le professeur Alice Ngamakala, épouse Mouko, admise à faire valoir ses droits à la retraite. La nouvelle qui arrive au soir de ce 04 juillet, alors que l'ESTIC est en pleine célébration de son cinquantenaire, émeut, étonne, surprend et fait parler anciens et nouveaux étudiants de l'ESTIC, ainsi que des journalistes. Mais, qu'à cela ne tienne, des félicitations et des youyou à n'en plus finir en direction du promu s'observent. Le nouveau directeur, auteur de « Les silences présidentiels, analyse des dispositifs et du traitement médiatique de la communication politique de Paul Biya, président du Cameroun est dans la joie, et ne fait que remercier le président de la République pour la confiance qu'il lui accorde. Je n'en reviens pas encore, je suis très heureux de cette opportunité que l'on me donne de pouvoir continuer à former la jeunesse du Cameroun, de l'Afrique et même du monde. Je suis plein d'émotions, je suis extrêmement reconnaissant envers le chef de l'État », affirme-t-il devant les caméras de la CRTV. Il évoluera dans un environnement qui lui est familier, puisqu'il a enseigné une bonne cuvée d'étudiants de l'ESTIC, notamment en radio et en télévision. Étudiant en journalisme de 1984 à 1987, François-Marc Motzom est vice-major de sa promotion au premier cycle de journalisme. Il effectue un cycle de spécialisation en journalisme politique de 1991 à 1993, où il sort toujours major.